Marie, quelle journée pour la FDJ avec le succès au bout. Raconte-nous un petit peu tes premières impressions. Alors ouais, une sacrée journée, surtout que... Alors pour la petite histoire, pendant la course, j'ai été à côté de Martha. Je la voyais pas au mieux et je lui demande mais comment ça va quoi. Elle me dit je me sens pas bien. Et là du coup je me dis mais il faut le dire dans la radio. Je dis dans la radio bah Martha n'est pas bien. Nico qui me demande, notre DS me demande Marie tu te sens comment? Je fais bah pas ouf. Après il y avait Victo qui était là, il fait bah Victo tu te sens comment? Victo qui fait je me sens pas bien. Et là on se fait comment on va faire? Sachant qu'il y avait des groupes qui partaient, on n'était pas représentés. J'avoue que franchement on n'a pas forcément pris la course du bon côté, mais Martha, je sais pas, elle a ressuscité dans le final. Elle nous a fait, enfin j'ai vu les vidéos de l'arrivée, elle nous a fait un truc mais de incroyable. Et franchement trop fière d'elle quoi. C'est quand même tout un paradoxe hein, avec tout ce qui s'est passé, comme tu nous racontes, elle se sent pas bien et finalement elle revient presque de nulle part au final alors. Bah c'est ça, ouais, franchement elle a fait. Enfin du coup il y avait des petites cassures qui étaient faites et tout, et je me dis mais oh là là. C'est mal embarqué en fait. Mmh. Et comme quoi il faut toujours y croire jusqu'à la fin. C'est un peu la devise qu'on a à l'équipe, c'est all or nothing. Donc franchement, même si on n'est pas bien, on doit aller jusqu'au bout. Et là, Martha, elle en a fait la preuve que même en continuant à y croire, on peut aller chercher quelque chose de beau. Et là, elle nous a fait quelque chose de vraiment très beau. C'est un succès qui est d'autant plus beau que sur papier, la leader de votre équipe, Cécilie, était absente en plus pour aujourd'hui. Donc c'est encore plus beau peut-être. Ah bah, j'avoue qu'on n'était pas très chanceuse sur cette course dès le départ. Ouais, comme Cécile n'était pas là, Brody n'était pas là, donc on a dû changer beaucoup l'équipe. Au final, on est, je pense, qu'importe l'équipe, on est soudés. Et c'est comme ça qu'on marche le mieux. Donc là, on a mis nos chances sur Martha et bah, on a bien fait, je pense. Merci Marie. Merci. Super.